Yo, consommé d'Assan Sopides, on se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi soir, c'est le coffee mage, j'ai une mage, et j'ai mon verre d'eau. Voilà. J'aurai mon café dans la deuxième partie, dans Tsubasa Ace, vous commencez à connaître le refrain. Bon, allez, c'est parti, un petit peu à la bourre, comme d'hab, 10 minutes. 10 minutes de retard quand même, c'est parti. Voilà, donc forcément j'ai lancé un peu vite. Il n'y a pas de notif encore sur Discord, il n'y a rien. Voilà. Je me marrais parce que je lisais les salons de Tsubasa Ace. Parce que les salons de Tsubasa Dream Team sont un peu calmes. Un petit peu. Allez, on check vite fait. Les news. Questionnaire, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Combien on est le 12. Prochains événements, d'accord. Donc le World Challenge revient, mais lundi. Le 15, ouais, le 15 c'est lundi. Campagne célébration 2500 jours, rien que ça. Oh. Depuis lancement, recrutement gratuit, SSR garanti. Et il y aura du Dreamfest. Ok. À choisir librement. Ah d'accord, tu choisis ton assesseur en plus. Ah oui, tu fais une multi, t'en as 10. Tu choisis celui que tu veux, et puis... Et puis voilà. Donc si t'as une multi de merde, bah, tu choisis un joueur de merde. Ok. Ce sera l'occasion de compléter les teams pour ceux qui ont besoin. Compléter la collection pour ceux qui n'ont pas besoin. 2500 jours depuis le lancement, recrutement, sélection. Donc au palier 6, on a un SSR sélectionné garanti. On voit du Inno, du Kals, du bon Kals, du bon Inno. Je crois que c'est du bon Kals. Je sais même plus quelle tête il a, le Dreamco. En dehors de sa vignette. Enfin bref, tout ça c'est le. Ah d'accord. Donc le recrutement c'est le 19. Donc c'est vendredi prochain. Ok. Oh pardon. Oula. Truc dans la gorge. Ah. Le mec est en train de s'étouffer en direct. J'ai un gros retard, j'ai l'impression, sur ma caméra. Vous me direz ça. Ok, poc. Ensuite, célébration, cadeau, connecte-toi pour obtenir des cadeaux. Hop, ça c'est à partir de lundi, encore une fois. Ensuite, ouverture décidée. Donc lundi, on a un nouveau Raphaël, un nouveau Chastelu et un nouveau Jito. Lundi, j'aurais dû faire mon live lundi. Le Dream Collection, annoncé pour le 12 avril, pardon. Donc ce sera lundi. Dream Collection. Je pensais qu'on aurait fait le Dream Collection aujourd'hui. Pardon. Lundi avec un soda. Ok. Makoto Soda. Avec une nouvelle technique de tacle. On va regarder vite fait. On va pas être trop loin dans l'analyse évidemment. Hein. Je vais juste regarder vite fait. Dans la surface de réparation, zone des ailes 10%. D'accord. Défenseur latéral. Attaque défense 60 000. Pas mal du tout ça. Ça fait du 20 000 partout. C'est chaud. Le tacle à 550. Ok. 10%, donc tueur de full body. Ok, très bien. 3% aux joueurs d'Asie. Ah ouais, d'accord. Le must-have pour les Japs. Pour les joueurs Japs. Et asiatiques, pour ceux qui veulent jouer un petit Oweran, par exemple. Ou ceux qui ont poule pour le nouvel an, là. Avec les Thaïlandais. Non, les plus, je sais plus quoi, coréens, je sais pas, ils avaient fait un medley. Je sais même plus qui y avait.
Et un tarotant à 80%. Mais écoutez, il a l'air sympathique tout plein, ce monsieur. Il a 2 x 10% avec des stats de bourrin. Il a l'air fort sympathique. En rate-up, on aura le Toram, qui est très bien. Le Mitsugi, qui commence à se faire vieux, mais qui est quand même sympa. Le Morisaki. D'accord. D'accord. Il y a un peu de monde. Hein. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est juste le recrutement. Il y a un gestionnaire des joueurs. Ok. Donc, très clairement, aujourd'hui, pas grand chose à regarder. C'est avec qui ? Pas grand chose à regarder. J'essaie de réfléchir si j'ai raté un truc. Il y a un truc qu'il faut que je pense. L'event est parti, ça veut dire qu'il faut vider la boutique. Ce que je n'ai pas fait. C'est quelle boutique ? Aucune idée. Ça, c'est pour les joueurs, une formation, gnagnagna. Il reste 84 jours pour ça. Ah ouais. Ça va, j'ai le temps. 6 jours, 2 jours. C'est celui-là, non? 6 jours. Vas-y, des compétences pour Diaz. Ça se prend, ça. Hein. Ça se prend. Qu'est-ce qu'il y a, sinon? Ah, ça, c'est bien, ça. Parce quoi, là? Tac, on va prendre ça. Pas de grandes news. Non, pas de grandes news. Lundi. Voilà. Revenez lundi. Ça se prend. Ok, la tête plongeante. Pour Pasquale. Pourquoi pas. 491. C'est très moche. C'est très très moche. En fait, je vais faire de l'économie. Pour rien d'ailleurs, monsieur. Vas-y, je vais prendre ça. Hein. Excusez-moi, je suis au petit marché. Hein, n'oubliez pas de le faire aussi. Hein. Ce serait dommage. Surtout, si vous débutez. Bon, je vais prendre sa tête. C'est nul, mais je vais prendre sa tête. Les ballons, j'en ai pas besoin. Les joueurs... Ouais, bah si, normalement, faut prendre les joueurs. Hein. Imaginez, c'est un super Pasquale, que sur un malentendu, je l'ai, je ne sais pas comment, mais bon, bref. Qui sort, bah, je serais bien content de pouvoir l'exploser grâce à d'autres Pasquale. Voilà. Allez, on va analyser ce petit portail. Ensuite, je vous tiendrai un petit peu au courant de ce que j'ai fait sur mon compte. Et puis, on aura aussi les petites invocations. Alors, on n'a pas grand chose. Hein. On n'a pas grand chose du tout. Allez, on va se le faire de droite à gauche, un petit peu, comme d'hab. Même si dernièrement, j'ai un peu. J'ai un peu mis de côté cette règle, mais c'est pas grave. Hop, on prépare tout. Voilà, comme d'hab, j'ai pas préparé les fiches. Franchement, je peux pas et être à la bourre et être bien préparé. Marche pas ensemble. Eh mais c'est un... Non. Ah non, mais il n'y a rien du tout en fait. Ah, on a Soda. Oh, il y a Soda. Oh, il y a Soda, on ira voir Soda. Oh, Soda qui vient de me sauver mon live. Salut, Super Cookie. Soda qui vient de me sauver mon live. Non, mais en fait, ils sont vieux. Ils ont eu quoi? Ils ont un rework, un truc? C'est quoi le délire, là? Pourquoi je les ai pas? Alors, est-ce que c'est le site qui est pas à jour? Écoute, ça va bien. Ça va. Hop. Tac. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc, non, c'est pas ça. Ce sont des vieux. Des vieux qui ressortent, mais ils ont changé les liens. Mais je vois pas les cartes sur Tsubasa IM, je vois pas la carte qui est
C'était qui? C'est Modric? Non, qui c'est que je regardais? Ah non, je voulais voir Matsuyama. Je voulais voir Matsuyama. Ah non. Voilà, tellement de sorties de Matsuyama. Ouais. C'est lui. C'est le bleu là. Donc c'est un portail qui revient. Pas grand chose comme match, ce sont des vieux joueurs pour les liens, bah ouais. Bon après je sais qu'on va me poser la question, hein. Est-ce qu'ils valent encore le coup? Oh non, j'ai raté les news. Ouais, t'as raté les news. Après si tu veux, je te fais un résumé des news. Ça c'est pour lundi, ça c'est pour lundi. Ah, ça c'est pour vendredi prochain. Aujourd'hui on n'a rien. Les stats sont vraiment très très sales. 30% en bonne lecture. Annulation de renforcement, ça c'est cool. Ouais, non, les stats sont sales. Les SP sont pas incroyables. 30% en bonne lecture, ça suffira pas à rattraper. C'est pas ouf, mais c'est un portail lien. Donc le monsieur il a 7%. Voilà. Ok, suivant. Lui, je dois l'avoir. Il me semble que je l'ai. Bah oui, je l'ai eu en live en plus. Je l'ai eu en live. Les stats. Ouais, il y a un bon dribble. Hein. Il y a un bon dribble. Par contre, la passe, c'est un peu limite. Et le tir, c'est dommage, il n'y a pas de physique. Après, c'est tueur de type technique. Pas ouf. Thèse, ballon flotte en haut, thèse, ballon flotte en bas. Vas-y. Ouais. Mais cet ennemi de lien. Matsuyama. Envie de passer à Tsubasa Ace, hein, putain. Pouah, les stats. Non. Non, là, non. Là, non, vraiment pas, là, par contre. Vraiment, vraiment pas. Et 7%. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, dans le titre de la vidéo, j'ai mis quoi, déjà? Que des liens, pour l'interrogation? Que des joueurs à lien? La réponse est oui. J'ai pas la réponse quand j'ai mis le titre, hein, évidemment. Mais la réponse est oui. D'accord. Bon, faut qu'on parle. Vendredi dernier, donc j'avais analysé tout ça, donc j'avais dit voilà, c'était cool, c'était probablement le duo le plus fun à jouer actuellement, fun et fort évidemment, à jouer actuellement avec le petit Pierre, avec le Napoléon Dreamfest, etc. Et donc j'avais fini mon step sur le Dreamfest, donc j'avais dépensé 50 dB pour finir le step, et je n'avais rien eu. Et le samedi, je me suis dit vas-y, je vais tenter. Je vais voir s'il me file Pierre, je vais aller jusqu'au garantie. Step 3. On a marqué, de toute façon, je suis au step 4 et 30. Et il m'a donné Pierre. Il m'a donné Pierre, le monsieur. Donc je me suis dit, bah vas-y, je refais un step sur Napoléon, on verra bien. Ah, c'est pour lui. Et première multi du nouveau cycle, j'ai eu Napoléon. Voilà, j'ai un peu chaté. Donc, j'ai un petit Napo qui est là, et un petit Pielu qui est derrière. Et puis voilà. Et puis j'étais content. Salut Po. Donc c'est cool. C'est voilà. Bon, j'ai dû. Par contre ma team. Bah, j'arrive plus à mettre les leads à 28%. C'est de la merde, j'ai que des techs. Donc voilà, ça ressemble à ça. Hein. Mais je suis content. Je suis content. J'ai bien chaté sur ces deux portails. Donc oui, ils ont annoncé le Dreamco. C'est Soda. Et en plus,
Et en plus, bah attends, mais c'est bizarre. Non, Soda, il sort lundi. Soda, il sort lundi. Ok. Et en plus, on a la fiche de Soda. On n'a pas la fiche in-game, évidemment, hein, sinon c'est trop simple. Mais on a la fiche de Soda qui a l'air vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et donc, on va se l'analyser, le monsieur. Alors, évidemment, j'hypothèque mes DB pour l'anniversaire. Très clairement, je suis à 400. Certes, j'ai pas fermé la story, mais la farmerai-je? Telle est la question. Alors, Clomu. Tadam! C'est bon, vous voyez? Ouais, vous voyez à peu près. Donc, Soda de type tech. De type tech. Donc, 16500 en dribble. 7700 en tir. Très bien. Et 16000 en passe. Pour quelqu'un qui ne sait pas défendre, les stats sont pas dégueu. Et on a vraiment du 20 000 de moyenne. Parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait 60 000 de défense. On a vraiment à peu près 20 000 de moyenne sur sa défense. Avec un peu moins en contre. D'ailleurs, la puissance, elle est pas incroyable. Et pas au niveau de son contre. Je ne sais même plus c'est quoi sa meilleure spé de contre. Mais c'est pas incroyable non plus, il me semble. Ouais, 539. Donc on va pas le mettre au centre. Hein. C'est mieux de fermer le jeu. De quoi? Mais par contre, 20 000, 3 400, 20 400, on va dire, en tacle et en interception, ça, c'est pas mal du tout, avec du petit 17 000 et 16 007 en physique. Et c'est plutôt très très fort. On revoit vite fait le passif, on l'a vu tout à l'heure, mais on le revoit quand même. Surface de réparation, plus les ailes, paramètres plus 10%, donc défenseur latéral. Dans une défense à 4, c'est mieux. C'est mieux. Évolution de potentiel, voilà, c'est là, c'est stylé. Joueur d'Asie par mètre plus 3%. Donc là, typiquement, on imagine que je le mets dans ma team. Et ben, enfin, on le met dans une team à 77%. Je sais pas si on peut faire 77%. Bref, on met dans une team à 77%. Si on peut faire plus même. Bref. Les Asiatiques, donc dont les Japonais, surtout les Japonais d'ailleurs, ont 80%. Bah, c'est pas mal. 3% en plus, ça se prend. 10% contre les full body. Que ce soit sur TS ou que ce soit sur paramètres, peu importe. Donc 10% de plus, ça fait quand même du 20%. Et vu les stats qu'il a, ça fait mal. Récupération raccourcie de 80% le temps d'étourdissement. Donc le mec il reste quasiment jamais étourdi, le monsieur. Et renforcement contre et inter-auto. Alors contre-auto, ouais, si quelqu'un tire vraiment de très loin, quelqu'un qui s'y croit avec son Brolin, peut-être moyen de moyenner de temps en temps, quoi, mais sinon. On va même pas avec Broly en tout. Le rappel, le contre l'inter auto, c'est divisé par 2 la stade de puissance, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Donc ça va pas chercher bien loin. Par contre, la petite inter auto peut être sympa sur des grosses passes quarterback et surtout sur des passes blanches. À 80%, ça se prend. Donc voilà. Donc un joueur qui n'a pas non plus un potentiel de psychopathe en termes de capacité, on va dire. Mais il est fort, il joue souvent, il inter-auto et il donne du boost. Il y a un moment. 1333 de stam, ce qui est pas mal du tout. Surtout qu'il n'aura pas de contre ou pas de tir à faire. Donc on est plutôt très bien. Au niveau de ses SP, son nouveau tacle. Ras du sol à 550. Très gros tacle. Coûte 475 quand même. Hein. Son contre, on en a parlé, 539. On va le laisser. Hein. Et l'interception, 517. Interception lame de rasoir, évidemment. On va vouloir lui mettre. Vous l'avez en dessous. L'interception retournée acrobatique à 500.
36 à condition que vous l'ayez bien entendu. Voilà, voilà, voilà. Sinon, pour compléter, parce qu'il n'a pas dentiste allemand, voilà, on a un petit tacle à 536 qui est pas mal du tout. Il y a un tacle à 524 éventuellement, vous voyez, il a même plus de fautes. Le contre, on évitera de doubler. On a quoi? 1, 2, 3. A mon avis, il vaut mieux doubler tacle interception. Je sais pas. La relance. On verra ce que ça donne en relance, mais. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Allez, c'est parti. Tac. On a failli pas avoir de Dream Analyzer parce que j'ai changé de carte bancaire et j'ai oublié de mettre à jour mes informations. Enfin, j'ai oublié. Mettre à jour mes informations bancaires sous OVH. Du coup, la base de données, à un moment, elle avait sauté. Voilà, j'ai fait ça vite fait. Avant le live. Hop. Écoutez, on va se mettre 10 et 10. Boum. Voilà, donc 10%. Parce qu'il est dans sa bonne zone et 10% parce qu'il joue contre un full body. On va y aller à fond. Voilà. Ah mais je m'attendais carrément à plus. Mais j'ai mis sa stat de dribble. Mais quel boulet. Il y a qui comme full body encore viable en face? Ils ont un peu disparu avec Salinas déjà. Je suis incapable de te dire. Honnêtement, je suis incapable de te dire. Encore une fois, je n'arrive pas à retenir. Donc, mais en attaquant, il y a pas mal de full power dernièrement. Schneider, il est quoi? Full power. Gnagnagna, pression. Ouais, aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Après, ça va revenir. Non. Je sais pas, c'est pas dans ma team en tout cas. Oh, hello, Andy. Tac, tac, tac. Donc, j'ai mis sa bonne stat. Ça va être mieux, ça va être mieux. Oh là. J'ai vu que le mauvais choix, on voit que le mauvais choix. Je sais pas si vous êtes sur ordinateur, vous voyez. Si vous êtes sur téléphone, vous ne voyez absolument rien. 625 000 mauvais choix. 625 800 mauvais choix. Voilà, quand je vous dis que 590 en bon choix, c'est pas assez. Non, 580, je disais, je sais plus. Et on disait quoi? Je disais 630. Pour que ce soit bon. Aujourd'hui, 130, c'est bon. Bah, contre Soda, c'est... Ouais, ça va. Mais bon. Désolé, je suis souvent dans l'ombre sur YouTube ou Twitch. Oh, tu viens de rentrer dans la lumière. Waouh. C'est pas une grosse lumière non plus. Mais, merci d'être apparu. Salut Yo-Yo. Et surtout, 700... Je vais arrondir parce que je suis sympa. Hein, 740 000 bons choix. Rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Du coup, Soda le nul. Soda le nul. Disons que j'ai trouvé la voie. Encore, il avait 3% constant. Ouais, lui, il avait 3% constant, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre. Mais tu sais quoi? On va enlever les 10% du full body parce que bon. On est d'accord que. Il les aura quand même. Pas souvent. Alors évidemment, s'il tombe sur un attaquant en direct, s'ils sont face à face, le mec c'est un full body, bah, si, il va l'avoir souvent. Mais bon, on va dire sur la durée, sur plein de matchs. Voilà, il est quand même à 711 600 en bon choix, c'est un monstre. Il a plus de 600 000 en mauvais choix. C'est très très fort. C'est très très fort.
Donc voilà, donc le mieux effectivement c'est d'avoir un petit seulement de spé, ce sera déjà pas mal déjà, histoire de lui faire descendre la spé. Qui utilise une spé secondaire. Et ensuite, faut faire le bon choix quoi. Et même en faisant le bon choix aujourd'hui, vous avez beaucoup de joueurs en bon choix qui font du 630 000, du 650 000. Alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais voilà, vous êtes peut-être allé, vous êtes peut-être avoir 600, n'importe quoi. Peut-être avoir 65, 70% de chances de passer. 80 peut-être. 70. Allez, je le fais à 70. 70% de chances de passer. Voilà. 3 duels sur 10 si vous récupérez la balle. Alors que vous avez fait le bon choix. Donc c'est fort. C'est très très fort. C'est très fort. Tac tac tac. Je voulais voir l'interception. L'interception. Bon, l'interception sera légèrement moins fort, mais bon, comment vous dire? C'était déjà très très fort en tac, donc ça peut être légèrement moins fort, que ça sera quand même très fort. Hein. L'interception, on a dit qu'on prenait la 536. Voilà, parce que vous êtes un joueur Jap et que vous avez sa meilleure spé. 693. Voilà, c'est un humain très fort. En tacle, c'est un monstre. Mais là, c'est un humain très fort. Interception, on a dit, ce pic. Tac, tac, tac. Donc, mes anciens monstres, moi, ils sont à 665. Maintenant c'est à plus, mais j'avoue que j'ai plus les chiffres en tête. Mais bon voilà, c'est très fort. C'est très fort. Ok. Ok, 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 ok. Du coup. Le contre. Le contre, le contre, le contre. Bon, je vais le faire. Hein. C'est bien soda, c'est bien soda, ouais. C'est bien soda, tout à fait. 16 373. Soda 539, s'il vous plaît. À 664 000. Je suis méchant avec lui, mais c'est vrai que lui ça compte en bon choix, ça compte en bon choix, contrairement aux tireurs qui se doivent d'être au moins à ce niveau là en mauvais choix. Donc 664 665, bah déjà il stoppe Lévin, hein, pour commencer. Lévin est type vitesse, lui il est type tech, et en plus sa stat monte plus haut. Donc. Ouais, bah j'ai bien fait de regarder son contre. J'ai bien fait de regarder son contre. C'est pas mal du tout. Hein. Bon, évidemment, par rapport aux 715 000 de mon Pierre, bon, c'est quand même en dessous. Hein. Mais bon. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu du tout. Alors, il y a mieux. Mais bon. En défenseur latéral, si jamais à un moment il rentre dans la surface, bah. Ça peut être une option, en fonction de qui est en face. Ok. Ok, 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 ok. Et donc, je disais. C'est quoi sa meilleure spé, dribble ou passe? Passe 517 000. Bah, passe, du coup. Il y a quoi en dribble? 505? Avec 517, c'est quand même pas incroyable. Mais il a plus de stats. Bref, bon, bref. Allez, on va passer. Je passe. Hop, tac, tac, 734. 517, on a dit. Voilà, petite passe. Bon choix, 583 000. 584 000. Encore une fois, c'est pas incroyable. Bon. Maintenant, les attaquants n'ont pas des grosses récupérations. Contrairement à avant.
Je sais même pas s'il faut vraiment lui s'embêter à compléter. On va lui mettre quoi? On va lui mettre tacle, double interception. Ouais. Je dirais double tacle, double interception, contre, passe et passe et dribble. Et puis voilà. Bon, bah écoutez. Voilà. On a fini l'analyse de ce petit soda qui est très intéressant. Mais il y a beaucoup de tech qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de gros tech. C'est pas cool pour les leads à trois types. Ok, donc des zones relativement faciles à avoir. Alors je dis relativement, il faut bien être dans une défense à 4 sur le côté. Mais une fois que vous êtes en défense à 4 sur le côté, vous ne devrez pas trop sortir de sa zone. Surtout si vous jouez en défense manuelle. Donc ok, le 3% pour les joueurs d'Asie, ça c'est très fort. Le 10% en plus pour les full body. J'ai envie de vous dire que c'est une petite cerise qu'on va sortir de temps en temps. Mais il en a pas besoin de toute façon, c'est pas très grave. Le raccourci de 80% le temps d'étourdissement. Ça va faire mal. Et l'inter, le contre-auto, même si c'est que du 80%, entre guillemets, c'est plutôt très bien. Donc on a affaire à un très très bon défenseur. Très très bon soda. Junior, donc. Voilà, vous savez tout sur ce soda junior. Vous allez invoquer ou pas? Bah, je ne vais pas invoquer, évidemment. Est-ce que vous allez invoquer? C'est ça la question. Petite compétition confédération. Je sais pas comment ça se passe pour vous, nous ça se passe. On a à peu près 15 à jouer. Donc, honnêtement, je m'attendais à pire, donc je tout agréablement surpris, je l'ai pas dit parce qu'on est que 15 à jouer. En même temps, je les engueule pas non plus parce qu'on est pas. Parce que tout le monde joue pas. Mais voilà, ça se passe. Je m'attendais à pire, donc je trouve que ça se passe pas si mal. Pour une conf qui dort un peu quand même. Bon, puis lundi, on va avoir plein de trucs. Des petites invocations gratuites. Ça va faire plaisir. Oh mais j'ai rien, si j'ai un SSR garanti, choisis avec soin, attention. Là y'a rien. Et moi je baille. Non. Hippo ne va pas. Tac tac. Il va pas invoquer. C'est compliqué, hein, n'empêche. Encore une fois, l'anniversaire c'est dans 2 mois. Hein. On passe le mois d'avril, le mois de mai, puis ça y est, c'est bon. Hein. Ah ouais, t'es qui toi? 555 GG. T'es qui toi? Oula. Voilà, c'est nul. Nouveau dream en ligne droite, 545, ça par contre ça fait plaisir. Ah bah mince, bah non. Ah bah non, il est full body, bah non, il est mort. Ok. 3 joueurs club de type force plus 7%. Ah, il est tueur de tacle en plus, cool. Bon, bref, un nouveau Yuga. Qu'est-ce que je vais voir? Allez, club. J'ai pas de club, moi. C'est fini, le club. J'ai qui? J'ai Thoram, il est club. T'es quoi, toi? T'as Rising Sun, toi? Thoram, il est club. Inno, il est Rising aussi, non? T'es quoi, Inno?
Ah non, il est Naples. Wow. Et ça, c'est Hambourg? Vas-y, j'ai du club. Vas-y, file-moi tes 7%, Hugues. Bien, voilà. Donc, petit live. Très, très court. Très court. D'ailleurs, je vais me mettre en ending. Petit live très court. Heureusement qu'on a eu les stats de Soda, hein, parce que ça aurait été compliqué. Donc, lundi, pas mal de choses qui sortent. Les vacances. Ça y est, ce sont les vacances. Est-ce que je pourrais faire un live la semaine prochaine? Je n'en sais absolument rien. Salut, t'as vu le soda DC? Bah, t'arrives un peu tard. Salut Samy. Oui, on a vu le soda DC et figure-toi qu'on l'a même analysé. Et je te conseille d'aller regarder le replay. Ouais, teasing, tout ça, quoi. Mais pour le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'ailleurs, il faudrait que je change ma miniature et peut-être mon titre. Parce qu'honnêtement, quand tu vois la miniature et le titre, t'as pas envie de cliquer sur la vidéo. Donc, il faudrait peut-être que je mette Soda. Bref. Ça, c'est mon problème. Je sais plus ce que je disais. Donc, peut-être live vendredi prochain. Je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Je garderai mes petites invocations en 2500 jours. Et puis, ça vaut le coup pour se faire scam à l'anniversaire. Ça dépend combien tu as. Merci de continuer tes lives. Bah écoute, de rien. C'est mon petit rendez-vous. Alors, je vous cache pas que des fois, je préférais. Comme ce soir, il n'y avait rien à analyser. Finalement, il y a eu le soda. Des fois, je préfère me mettre dans mon canapé avec mon chat sur les genoux, hein, mais c'est comme ça. Donc là, on va passer sur Tsubasa Ace. Pour ceux qui veulent continuer sur Tsubasa Ace, je vous invite à faire une petite actualisation, hein, un petit F5 avant le passage, parce que sinon, vous allez avoir masse retard. Et puis, bah, pour les autres, écoutez, merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, sur Socket Games. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, là. C'est où? Attends, je coupe. Merde, je suis pas du tout là. C'est là. Ciao.